Oui, rappel, hein, tout est en deux, hein, même le final. Ok. Donc en deux, bah, quand vous voulez. Donc plus la sélection de la couleur de Pim pour Salim qui vient de la valider. Le fils joue à gauche, il joue donc Mike Invice, en général dans cet ordre-là. Et en face, on a la tier list hein, qui parle, puisque Salim joue EX Yuri, Mister Karate et Kim dans cet ordre-là également. En perso étant considéré parmi les plus forts du jeu, tandis que la team de Luffy est plus mi-tiers, voire même le tiers pour moi. Allez, c'est parti pour cette finale en direct de Rennes pour cette 10e édition du Stunfest. Avec l'agression immédiate de Luffy contre ce EX Yuri, qui joue l'ouverture avec son gros point, mais il n'y a pas de combo, c'est dommage, le stun CD en entière. Le stun gros point en entière qui est rendu par Salim. Ce CD qui touche coup de cœur, malheureusement il n'y a pas de rattrapage, il n'y a rien, l'ouverture sur Babé, bien joué. Le petit bug, mais rattrapage, la chope pour Yuri, EX, Reka, rien, c'est dommage. On aurait pu faire beaucoup plus de dégâts là, Salim. Saut arrière au point, le Ryuet qui touche. Allez, Nojta. Salim qui était en mode agression et qui s'est fait stopper par Luffy qui se laisse pas faire. Le stade gros pied, les Reka. Et ça tue. Luffy qui s'en veut. C'est assez équilibré finalement ce premier round. Hein. Même si Salim avait trouvé l'ouverture pour prendre l'avantage, Luffy était plutôt bien revenu. Maintenant c'est Salim de faire le taf contre Sheila King de Luffy qui est très certainement son meilleur personnage. Il gère très bien à distance avec beaucoup de base. C'est là où elle s'est complètement lâchée la Luffy. Alors de bien Salim Max pour activer la part de Salim. Allez, Dragon, Reka, Reka, Dragon, Reka, Reka, Dragon, Zomax, non. Et on va faire ça pour peut-être le follow-up, si vous cliquez sur le premier pas, oui, c'est passé. Allez. Plus 55 de vie pour cette King qui est précédent de points, gros points, sans gros points, gros points. Salim qui a complètement agressé le King, il n'y avait pas de solution malheureusement. Salim qui a bien joué, qui n'a pas utilisé la Neomax, même si je pense que la Neomax pouvait tuer. Au niveau des dégâts. Et la Vice, donc le dernier espoir pour Luffy. Ce gros pied avant. Ah, c'est dans la garde pour le moment. Sauce et des rattrapages avec JX et Sharp, avec le combo qui va bien super comme celle. Malheureusement, ça ne tue pas. Ça va être chaud. Et le dragon qui a exécuté de la part de Salim qui tire son gros point. C'est quoi de garde. Et la chope pour cette Vice. Alors. Et le fait qu'il y a encore un peu revenir puisqu'il a gardé son drive, il y a encore pas mal de barres de super. Rappel hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le perso, il y a un coup qui rattrape dans toutes les conditions possibles pour tirer une barre de super. Et ce genre de lasso, version EX. C'est ça que le film va certainement chercher. Voilà, je vais faire avec ce genre de lasso dont vous parlez. Allez, on voit tout le combo. Déjà 50% perdu pour Mister Karate. C'est chaud. La prochaine touche risque d'être très fatale si Luffy touche. Même pour le côté de Karate, hein, puisqu'il va bientôt son maximum activer son drive, complet. C'est ce qu'on fait. Non, et voilà, je vous parlais de maximum, c'est parti. Hey, combo de Karate qui fait tout plein écran, qui arrache beaucoup. Est-ce qu'elle fait tout le combo? Oui, petit point, avec la boule, gros petit point. Et dans la langue, ça fait pas fou. Max, voilà. Le club, super. Salim qui est content car le public est en sa faveur. Ils en voudraient bien que ce soit le cas en effet. C'est avec ce petit 83 hit combo. Allez, il faut encourager quand même Luffy là pour avoir un peu de place. Allez, allez, faut le signer. Bah, Luffy qui est bien lancé dans ce premier round du deuxième match. Ami déjà il y a gagné dans le coin, le dragon très très bien exécuté. C'est bien vu, Stan CD, bien vu ça. Ah il aurait pu trouver une embrouille avec un cross-up. Mais c'est pas venu. Allez, saut gros pied. Charpentré, balayé en Queen One avec un éventail. Ah, c'est bien vu, Luffy qui se laisse pas faire. Légère avantage pour Luffy. Mais il reste encore beaucoup de secondes. Le dragon.
Ryu et Mookie Push, FCD, Vodka, rattrapage au gros point, Flash Counter. Salim qui arrive à confirmer un petit peu Luffy dans le coin. Avantage à Salim. CD. Oh là là, bien joué, bonne carte de la part de Luffy. CD. Philippe Bantaï, Chopex qui enracine le bug. Et Salim qui est bien lancé. Luffy qui n'est pas du tout dans cette rencontre. C'est difficile pour moi parce qu'elle n'a pas vraiment de réversal à relever, elle n'a pas vraiment d'antillère puisse vraiment casser le possible de l'œil de perso. C'est vrai que c'est un petit peu gratuit de l'antillère. Mais vraiment, le petit n'est pas trop. Doucement, quand on a des kicks, elle va agir, elle va faire un petit peu trop tard, elle va plus toucher. Ça veut dire que c'est passé pour la seconde de cadeau, ce ne sera pas le cas. Et il y a tout de vie qui revient tout simplement, la partie qui remet les deux joueurs à égalité. Qui va simplement aller chercher plus loin forcément. Et voilà, Monsieur Karaté. Mister Karaté, le perso peut-être un des plus forts du jeu. Ah, il va y avoir une ouverture avec le saut gros pied, la touche de cross-up. Luffy qui va moins jouer sur les Fireball, étant donné que Mister Karaté a un contre en fait qui pourrait faire changer la tendance. Voilà. Donc il va essayer de les mettre. Oh, bien joué la masse entière. Attention aux dégâts là, sur les 3 boules, un peu 150 à peu près. Il va rester encore une série en stock là, voilà le contre qui permet à M. Karaté de réduire l'écart. Allez, le strike, je retombe dessus, attention. Oh là là, il va monter, là, quand même, faire mal au CD, le cross-up trouvé, mais le bonbon n'est pas au rendez-vous. Le contre, pour revenir, à des chops, ça c'est bien vu ça. Pour l'instant, le fait qu'il est quand même plus grand, mais qu'il est mené à la vie. Ça servait à rien sur ce coup-là. Course gros point. Le cross-up, c'est bien gardé. Le décalage pavé. Ok, les maths se nouvellent un peu. Et je pense que ça va tuer Tono déjà. Ah non, il est bien. C'est chaud. Oh oui, bien vu le décalage. Très bien joué. Vous savez qu'il prend clairement une bonne option sur la victoire dans ce match. Mais ne sous-estimez pas la base de Luffy. Clairement pas. Surtout quand on a 4 barres full drive. Comme ça peut être très vite. Bien joué ça, décalage, on va passer à la chauffe. On frappe, allez, allez, bon échange. Voilà, allez, encore un combo. Il y a moyen. Oui, vous ouvrez bien. Allez, hey. Et s'il ne se rend pas, c'est la mort. Salim qualifié pour la grande finale. Il est qualifié pour la grande finale et donc je vais demander à Louis Chat, de faire son entrée sur scène. Exactement, donc le fil reste sur table et donc on va appeler Louis Chat. Jamais de la vie. Je rappelle que Louis Chat est notre invité international à la COF cette année, qui nous vient tout droit de Los Angeles. Los Angeles du Mexique, exactement. Si. Salut, ça va? Qui avait été justement sorti en winner side par ce même Luffy. Donc il y a un parfum de revanche dans l'air entre ces deux joueurs. Ouais, je sais pas si Luffy a d'autres joueurs qu'on loupette, mais à mon avis, il va revenir le couteau entre les dents. On dit ça, hein, très belle expression. Le haut couteau, même entre les dents. Ouais, le haut couteau Youssef entre les dents. Couteau Youssef, j'ai hâte. C'est ça. Ils sont où les réunionnais là? Je les vois pas, les gars. Et là, ah ben voilà, beauté. Salut à La Réunion. Merci aux joueurs réunionnais, c'est vrai d'avoir fait le déplacement. C'est toujours un plaisir de vous voir parmi nous. Les Dallons, los Dallones, comme on dit, en mexicain. Dédicace également à ceux qui n'ont pas pu venir, hein. Je pense notamment aux Belges. Il y a beaucoup de Belges qui n'ont pas pu venir. Il y en a qui sont venus aussi quand même. Il y en a qui sont venus. Kenpachi l'a servi à tuer Salim. Hein. Oui, c'est ce qu'on fait malheureusement. Voilà, c'est vrai qu'après, il est mort assez rapidement malheureusement. Donc dédicace à La Réunion, geek.re. Exactement. Avec le chef de file TikTok. Ouais, TikTok qui est mort juste avant là. C'est ça. Contre le 12. Il y a
ça fait sa config. Tu es d'abord de quoi? Mais non, mais si. Mais si, mais si. Donc Lucha qui m'a volé un t-shirt, comme vous pouvez le constater. Luffy qui me disait qu'il a du mal contre Yuriflame. On l'a vu tout à l'heure, puisque Lucha au deuxième match, c'est ça. 3, bah, l'a striké en fait. Il faut qu'il change de jeu en fait. Ouais, je pense. Parce que là, ça va être dur. Allez, on y retourne. Donc cette fois-ci, il y a un petit changement de tactique de la part de Luffy. Vous avez vu qu'il a mis King en 1 pour contrer le Kim. Sauf que Lucha, malin comme il est, a envoyé son Yuri. Voilà. Pour faire la sauce. Bah comme tout à l'heure, ouais, il a... Il a un peu de choc, comme ça. Bah tout à l'heure, il a striké. Oh, il est passé de face. Du monde de Waouh, ça c'est la phase unique de Kim dans le jeu. C'est bizarre qu'ils ne connaissent pas. Bien joué. Tcha-tcha-tcha, voilà. Dans le coin. Oh, ça fait des combos de game. Voilà, petite moitié de vie, arme de ferme, face derrière, normal quoi, le top tier de base. Bon point anti-air, une récane à dans le vent, tiens, il faut qu'il sorte du coin. Oh là là, j'aime bien la distance. Oh là là, il a envoyé au bon moment. Bah de toute façon, il n'avait pas le choix. Il attendait le bon moment pour attaquer. C'est ça. Finalement, on retourne sur nos pattes. Ceux qui connaissent, ça comprend. Allez, on retourne, donc il y a commence déjà pas trop mal avec Maïs. L'agression. Voilà, comme je disais, Maïs, c'est difficile à la relever. Là, il est en train de charger sa 3 barres, voilà. Je pense qu'il a conservé sa cocktail. Non, il a fait mentir. Je crois. Les gens de l'air devant. Festival, c'est tout. Voilà. Et ça va tuer, ça. Là, ça va tuer. Voilà. Oh là là, c'est malheureux. Gardez haut, gardez bas, devant, derrière. C'est plus, ça va très vite. Ça, on a 2-3 récas, une face devant, derrière, et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est ça quand ça fait mal. C'est ça quand ça va très vite. Hein. Voilà, là, le Yuriflame quand même. Allez, il a fait. Ouais, il a fait. Il a fait. Ouais, il a fait. Ah, ça tue pas. Oh non, on a complètement à l'emporte-pied, ça l'a relevé. Et ça tue toujours pas. Ah, ça, gratuitement. Allez, on encourage le fil quand même. Allez, 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 allez. Il a besoin de votre soutien. Il est en mode réversal qui strike à l'envers, comme on dit dans le métier. C'est ça, ouais. On dit que vous avez du son. Un peu plus merde, ça. Explosion. Voilà. Allez, on dégoupille, il n'y a pas le de... Alors là, c'est pareil, faut que le fil envoie au bon moment. C'est difficile à conquérir parce que... Là, genre, soupçonné, par exemple, les Rolex, c'est des vitaux. À l'impression que le fil a énormément de choses qui sont safe. Voilà, je vois les sangs de dé, vous les mettez dans le vent là. Je peux envoyer un carrière, je suis là qu'il y a une voie prochaine. Allez, je vais sur la corde d'un proche, clairement. Oh, ça n'a pas tué, mais. Ça n'a pas tué, mais presque. Oh, il est fou de barre là, il faut qu'il se fasse mettre une saute. Il va venir étudier au match là. Et il meurt pas sans toupie. Voilà, et là il a envoyé au pas bon moment. C'est ça. C'est ça. Pas le bon moment. Oui. Allez, 1-0 pour le chat. Il y a déjà un pied en grand final. Change son ordre à mon avis. Ouais. Non, il garde tel quel. Il s'est dit je vais jusqu'au bout de mes idées. Donc c'est fini du Kyoex de Luffy. Hein. Entendons. On entendra plus parler. Plus jamais. Il s'est noyé dans la fontaine derrière. J'avais ça. Allez, on est reparti pour Kyoex. Le fait qu'il a essayé de gérer un petit peu de l'espace qu'il devait faire tout à l'heure. Ouais, il vient parti, mais c'est ça, une fois il touche une fois, regarde, t'es par terre et après faut vous essayer bosser la base. Il a trouvé son rythme de croisière, il mène tranquille. C'est à Lucha de venir chercher. Donc, il va pas s'arrêter de dormir. Il faut absolument qu'il sorte du coin là par contre. Parce que c'est chaud pour qu'il dans le coin. Voilà. Lucha qui a tendu ça. Justement, les gros points, non, pas de boulade comme ça. Ça va, non, ça c'est le problème. Sorti du coin comme que c'est, il va bien. Voilà, là il vient bien. Là, il va bien. Il va chercher les embrouilles. Voilà, tranquille, tranquille. Il va pas chercher les embrouilles. Il garde sa bonne distance, voilà. Oh là là, le sol. Voilà, là, j'ai trop point. Je veux mourir, c'est le meilleur gros point de l'histoire, c'est celui-là de Yuriflame. Oh là là, dommage. J'étais plutôt bien parti. Deux phases. Un gros point pour et une interception. C'est Yuriflame, il arrache beaucoup de bases. C'est ce qu'il en fait en perso très bien. Ouais, perso de DLC, hein. Oui, qui coûte 5 euros. Qui coûte 5 euros, mais l'investissement. Et un chien rentable en tournoi, je pense.
Jack, ça se regarde, ça c'est une horreur à venir aussi. Je sais pas si je vais le tuer à la Néomax là, mais je pense que c'est... Moi je vais le faire. Moi, la foutre, moi, si je vais le faire. Regarde, là, ça va commencer à gratter, voilà, voilà, oh là, je vais dans le vent, oh là là. Tcha-tcha, il break, putain, ouais, bien joué. Voilà, merci. Alors je sais pas si c'est un stand ou un sous-CD, toujours dit que ça a touché. Il s'est débarrassé du Uriflam qui va poser. Stand-CD, je crois, comme ça, on gombe. C'est passé, voilà. C'est passé, c'est essentiel. C'est le mieux. Et là, il est bien parce que Kipmaïn, c'est bien. Il faut qu'il arrive à tenir la distance là, du Kim, et on est bien. Ouais, c'est dur. Hein, c'est dur, parce qu'il n'y a pas de relevé. Ouais, il tombe une fois par terre et c'est... C'est le défi du jeu, bien joué ça. Voilà, bien joué. Là, tu recommences pareil. Zoning, tu prends qu'il va rouler. Oui, Léomax, il va cramer. Voilà, la barre, 450 en gros. Là, faut tuer pour rentabiliser, sinon ça va donner des dépenses. Attention quand même, parce que... Oui, le TD qui est venu de l'élo. Bien joué, c'est ça. Le mec de la balayette avec le stand salé, c'est très bien joué de la part de Luffy. Très, très bien joué. Les Q qui n'en revient toujours pas. Faut qu'ils finissent le taf maintenant. Ah ouais, il y a le chef nébulaire là à la fin. Et ouais, il est chargé. Là-bas, il faut que je charge pour base. Ah ouais, le chopper, je l'ai suffit devant moi. Fumé. Voilà, 3 barres. Là, il faut que tu le tues, en plus, je prends tranquillement. Il arrive vers son max spot. Il arrive à charger les barres à la fin pour la base. C'est ce qu'il y a. Oh là là, mais là, il y a l'espace qui est. Allez, il a deux chaînes. Oh, voilà, il sort du coin, il revient. On a bien joué ça. Ah, la boule de... Il a une furie entière, je rappelle, avec deux barres. Voilà, allez, charge la Néomax tranquillement. C'est Néomax ? Non, il n'y a pas de Néomax. Il y a la furie masse qui fonce, là, qui est complètement entière. C'est dommage qu'il n'ait pas fait. Faire attention sur ce chaîne parce qu'il n'est pas bon. Les combos font mal aussi. Il a voulu en fait économiser ses barres, je pense, pour vrai, c'est essentiellement ça. Bien sûr. Parce qu'il y a peur avec full drive et pratiquement 3 barres, super. Là, il a touché, tu vois, il n'y a pas d'histoire. Allez, ouais, il a raté. Il a raté. C'est vrai. Ça marche comme ça en Belgique. Il joue à domicile surtout. À domicile. Allez, dernier match. Faut jouer les gars. Faut jouer vachement agressif là. Le chat, il a entendu le public crier pour le film. Voilà. Il va jouer agressif du coup. Il joue l'agression aussi. Voilà. Oh là là, mais trop loin de loin. Ça marche aussi. Oula, allez, marche Allez, avec la maille. Alors là, dans le scénario idéal, il débarrasse du Yori, il finit avec la Néomax, et on est bien. Tchèque, voilà, bien joué, bien joué, voilà, carré, traverse tous les trois, en soldat, voilà, Marcoire, il y avait un petit entier à faire là, je pense quand même. Ici en train de se faire aider, voilà, Marcoire, voilà, c'est des. Je crois qu'il soit mieux en le saut. Oh là là.
Est-ce que Weiss dernier rempart? Il reste que Weiss, mais c'est faisable, hein, c'est faisable. C'est jouable, faut qu'il tue le... C'est un gros client aussi. Sacré client de l'autre qui va mettre son maximum. Ouais, bien joué. Directement cross-up. Bravo le fil, en tout cas, on applaudit bien fort. Il terminera donc troisième de ce tour-là. Still two. Toujours en deux matchs gagnants. Même la grande finale. Même la finale en deux. D'accord, ok. Bon, voilà. En deux. Très bien. Des réclamations? Non, je tiens. Pour voyager recommander à Waldo. Je vous donnerai son adresse après. Ok, ça roule. On va enchaîner immédiatement avec la grande finale, qui va donc opposer Bouchard, qui vient de gagner son ticket pour la grande finale à l'instant, et Salim, donc, qui attendait tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, donc son adversaire, qui est tout désigné. Et Luffy. C'est la France contre le Mexique. Amicalement, bien sûr, mais bien entendu, Salim joue à domicile. On va essayer de faire plaisir à son public. Applaudissement de Luffy. Alors que Tough Advice semble donner des conseils à Luffy, qui est premier rang. Ah, Luffy, il est guapé, là. C'est ça aussi, il mange... Ouais. Il y a un qui criote comme ça. Il a mangé la phase de Winner Loser, il l'a tué, mais... Mais il est mort quand même derrière. Mais il est mort quand même pour lui derrière. Du coup, il y a un partout, mais sauf que lui, il perd en Loser. Ah, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, c'est la vie. C'est la vie. Surtout qu'il a rencontré la défense. Et Michel, qui défend son contre-drap, j'ai envie de dire ça. C'est parce que je vois sa bedaine en fait. Ouais. Ah mais moi je suis là, à niveau bedaine, je me tape. Hein. Défi bedaine, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Allez Salim. Allez, on y retourne. On va faire sa config certainement. Salim fait ta config peut-être. Voilà. Je sais que le film est un peu des raccourcis partout. Forcément, j'en balais. Je vous sens des raccourcis. Allez, à votre droite. On va dire l'invité, le challenger, en provenance directe du Mexique, représentant la team CNDA et la team Chaos, Luis Cha. Voilà, ex-INP. Ex-INP, je tiens à préciser, voilà. Pour ceux qui connaissent INP. Passe le bonjour à l'uniforme. Une équipe très connue depuis le début de l'année, je tiens à le dire. Ouais, un buzz incroyable. C'est vrai. Respect pour ces deux joueurs que sont Mursbeer et le 3 Force. Des teams quasi similaires. Tandis qu'à gauche, nous avons le représentant national, Maximum Salim. Ouais. Allez, attendez la position pour les deux joueurs. On y va. C'est premier à deux. Ah, le saut de direct. Hein. Il n'y a pas de temps. Voilà, trop loin avant la ligne de 3. Salim qui prend directement. Première mise au centre. Ouais, bien vu, bien caché. Les faces du 1, ça passe. Hey. Allez, bon, bon, arrête. Je ne prends pas pour un sac. Pas de magie. Normal, il est dans le coin, c'est bon, ça prend un peu son souffle, ça va commencer sur les chapeaux de roue, ça va être la vue du chat. Oui, déjà au niveau du main game de l'ordre, c'est différent. C'est Salim qui a gagné. Attention de la croche quand même, parce que. Là, Salim spécial. Exactement. Il se barre, voilà, la barre de garde va revenir, bien joué. Hop. Alors ça c'est... Non, c'est juste ça. Allez, arrêtez, vous allez. Non, il a pas pu nous donner. Bon, c'est pas grave, c'est comme plus ou moins. Allez, deux, c'est vu ça. Bien joué, ça. Michel qui a fait Tiger Lee. Tiger Lee, TX, pour éviter le dragon. Il arrive complètement invincible sur cette phase. Extrêmement
pioche de la part de Lucien. Il y a beaucoup de main game là-dedans. Pas de tâche, non ? Non ! Ah ouais, non, t'as Yoni, en fait, c'est encore mieux. Allez, boule, voilà, arrête. La glace est déjà. Tu es derrière ? Elle a arrêté deux fois, moi ! Allez, c'est ça, les filles. Non, mais Pendragon. J'ai foutu des Pendragon. Il a porté du demi-arrière. Ah, vous êtes sur qui ? Vous êtes sur qui ? Je ne sais pas, déjà, je suis. C'est Lucien qui essaye de planter sa vie, mais dans un dragon. Ah, je crois, il a pas pu se finir, il est tout seul. Comment ça fait? Ah non, encore mieux! Encore mieux! C'est une compagnie qui fait panty hier soir. C'est ça. J'avouerais comme si c'était Yori. Bon, c'est passé. Ouais, bien. Ça fait bon. Là, il y a une max mode de karaté, on est bon. Ouais, pas de point. Ah, ouais, t'as vu, il a voulu faire ouais, le whip du stand. Ah, et après, Bien joué. On voit qu'il n'est pas vite pour Joe. Exactement. Attention, ce Kim là. Je suis capable de Kim, c'est fou. Il est plus loin un peu. Oh, il a vu, il a vu ça. Oh, il a l'info comme ça. C'est un peu ça. Pas gros point. Voilà, sur ce point, sur Gay. Tout en finesse, en Intestable en remixage du ratage. Ah bah c'est une bonne chose. Ah c'est un skill là, ah ouais c'est un skill là. Mais c'est même mieux là parce que là il est bien là, il est complètement bien. Là il roule là, avec ouais. Yagami. Il y a Yagami. Ah ouais, bien joué. Ok, mise au sol, allez. Voilà. Hop. Non, tu feras pas. Bien décalé ça pour toucher la mix. Oh, bien joué ça. Lucien, il a fait croire à la choc. Pour mieux mettre la B, c'est en fait avoir acheté le combo. Et hop, tu bouges pas. Il a le mur là, il est en position mur. Mais les flashs, ils ont là. Non, toujours pas. Ah, c'est voilà. Voilà. Ah, le mec, ça, s'il te plaît. Ouais, bon, tu, on sait jamais. Est-ce qu'il y en a deux? Tiens, tiens, tiens. Ah, bien vu, ça bouge à part Lucha. Allez, arrêtez le concept, il va tout tuer. Non, il s'est laissé absorber. Lucha qui remporte le premier match. Je rappelle que Lucha, venant de la loser bracket, doit déjà reset le bracket, c'est-à-dire remporter le deuxième match pour remettre les compteurs à zéro. Puis ensuite, c'est une autre histoire. Ah, mais là, ça va. Franchement, il a l'air. S'échauffer sur le fil. Là il continue le big bye. On sent qu'il est en mode bye infini la Louis Char. Il n'y a pas d'entière là, il charge, il est baissé mais il fait pas de flash kick là, je sais pas, voilà, c'est mon dragon. Là c'est bon, il y a du cadre, voilà, point 2. Ah là là les régards qui sont bruits, ils sont arrêtés. Donc, non. Ah oui, oh, ça se regarde les deux attendent le pif de l'autre, ça se respecte. Oh, le stand fait qu'il fait tout le contact, vas-y mon gars, tchat, voilà ça oui, voilà, gros point, bim, hey, oui. Ah c'est bien en fait, on peut sauter sur Kim d'abord. Bah oui, sur Kim, Kim il est baissé, il charge pas en fait, il est baissé mais il charge pas. Oh, ouais. On a parlé ça. Ah oui, bien joué ça. Ça fait les max, ça tue pas, mais ça lui va prendre. Ah ouais, flash kick, il est enfin. Voilà, il a sûrement envoyé, ouh, la petite data, ouais, pour provoquer. C'était 3 à la time sur les sauts. Ça touche pas trop loin. Ah, on voit qu'il y a pas de dash là. Il peut le tuer là quand même, faut qu'il le finisse là. Il a refait le chat là, son build de stand A là, vous pressez derrière. Regarde, proche arrive.
Il veut éviter le point crush, il saute en arrière, je fais une joueuse, c'est une lecture, ça. Ah, ouais, et là, là, il s'est fait travailler encore là dans le coin. C'est la stratégie principale de Louis Chat, hein, qui commence ce match. En fait, c'est pas son, son plan de jeu, son gamme plan, c'est de mettre l'adversaire dans le coin et ensuite ériger un mur pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Ah, mais le coin, vous constaterez aussi la fin du jeu. Oh là là, oh là là. Au revoir, voilà. Un bon dragon à la relevée, il y a que ça pourrait. Un bon dragon français. Ça vient de France. Non, non, il a vu là, ça se voyait que c'était pas safe jump, il a envoyé un bim. C'est l'œil, hein, c'est l'œil. On voit tout. Allez, il met le max mode et on est bon, hein, toujours, hein. Sans reset, c'est possible. Oui, voilà, bonjour, ça consiste. Attention, on va faire le match avec le chat. On voit qu'il est en mode salsa la salsa là. Il est en mode salsa. Il est en mode salsa. Il est en mode salsa. Il a craqué. Il a craqué. En plus, il est même pas fini. Il a tout dans le ventre. Dans le ventre, t'as pas de temps mort. C'est dur, c'est dur à finir. Bien sûr qu'il a bien joué alors. Franchement, je suis sûr que c'est. Allez, Sarine qui en avance là. Il se garde la vague sur le coup. Il est bien, là, il est bien. 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 Il est spectacle et ça a donné le max mode à Yonflam, hein, si tu pas derrière, ça ne sert rien. On a vu ça, bon, on a vu. Ah, là, scénario, c'est quand ça finit pas en pour en Oriflamme. Je rappelle. Oui, mais oui, c'est la grande finale. C'est la méga. Assieds-toi, profite du spectacle. Je rappelle que Salim, s'il remporte ce match, je remporte la grande finale. Donc si Lucien gagne, on recommence. Non, il va gagner là. Il est bien à la grande. Il rate les combos là de base. Il prend les points. Ouais, il rate le combo. C'est bon, il rate. Ouais, tout le monde rate. Il est atteint. Il est atteint psychologiquement. Bien vu, c'est pas un écart. Non, ça marchera pas. Le chef fait quand même des sauts assez évidents là. Dans la chance, il doit être en train de gagner là encore. Aïe, 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 aïe. Il saute sur la ligue. Il saute sur la ligue. Oh là là. Il le jette, c'est bon, c'est ça. Allez, voilà, dommage, il n'y a pas de ça. Allez, on est bien là. Voilà, enfin, je vais te. Voilà, ça obtient un peu tout. Ah, il faut que tu sortes le gros karaté là. Ah, il faut avoir un gros karaté. Ah, tout à l'heure, en fait, même karaté tout à l'heure. Un karaté qui faut. C'est ça. Voilà. Ah, merci. Bon, pardon. C'est ça d'abord. Il a vu. Oh, il fait tout. Oh, magnifique. Ah oui. Et ça tue. Ah, c'est le sujet, c'est bon. Bien joué ça. Bien joué ça. On n'a pas perdu trop de vie donc on va pouvoir attaquer le troisième round avec une certaine sérénité. C'est bon. Là il est bien, là il est bien. Ouais il est bien. Là. Il est pas mal. Il est plutôt bien, il est plutôt pas mal. Il gère le chef. De son grand chef qui arrive tout drive. Et le chef il n'a pas, il n'a pas de. Ça part de drive, hein, ça part vert. C'est bien. Il cherche le bord. Il cherche la croche surtout. Ouais, je pense que ça lui va pas de. Voilà. Il s'est barré, pas d'enfouille. Il va faire, allez. Ouais, il le met,
ouais. Karate Kid. C'est ça. Oh purée. Eh, Philippe, bien vu, ça va dans le chat. T'as quand même vu le saut. Allez, qu'est-ce qui est dans le coin? Qui c'est qui doit pas sauter en avant? Parce qu'il est attendu au saut, non? Ah, ça, c'est lui qui envoie. Voilà. Je vois, je dis pas. Ouais, voilà, ils ont pas super pressé hein, le chat. Il y a 8 qui sont pressés, ils vont voir le break, il est cassé. Attention, il est derrière. Bien vu ça, je suis voilà, c'est bien joué. Garde le maximum. Ah, oh, c'est vous. Bien joué, vraiment, ça vite, il est vraiment venu dans ce match. Avec 2-3 phases bien senties du Whip Punish. Ah, faut dernier route. Hein. Et là, le match-up, peut-être le route de la victoire pour Salim, peut-être le route du... Le match-up, c'est pour de la survie. De la survie pour lui. Ah ouais. C'est pas pour lui, c'est pour lui. J'ai vu, ça va prendre une charge. Ouverture, plus de sol. Allez, frappe, frappe, ça ne bouge pas. Si c'est sur place pour provoquer le flash-kick, on ne sortira jamais. Oh, le flash-kick. La fin de match, comme derrière. Ouais, voilà, il va mettre un peu. Il a ses barres, c'est en deux. Oh là, c'est le dernier de la fin, il est solide là. Allez, avec un écart. Il a déjà pour la plage. Allez, remise des lots rapidement. On va en profiter. Je vais demander à Bender de monter sur scène pour recueillir les impressions de Louis Chat. Il va nous faire la traduction en espagnol pour nous dire un petit peu ce qu'il a pensé du tournoi, de ses adversaires et de sa finale donc contre Salim. La traduction, merci. Le voici. Voici. Avec un t-shirt Café Heidi. Je tiens à le préciser. Café Id. Café Id. Ça se Café Id. Alors. Donne le micro à Micha. Voilà, donc je répète, comme je te disais, j'aimerais donc avoir l'avis de Micha sur le tournoi en général, sur les adversaires qu'il a pu rencontrer, et puis son ressenti sur la finale. Le niveau est très bon, un très bon niveau français, beaucoup de pression sur le tournoi, les joueurs qu'il a pu rencontrer, c'est vraiment étonnant le niveau qu'il y a. Voilà, la finale, la pression, ça l'a un peu gêné, mais il a complètement adoré le jeu de tournoi et le jeu français, pas de soucis. Impeccable, en tout cas, merci. Merci à Sébastien. Et on peut l'applaudir quand même, il s'est bien défendu. Il veut juste faire une petite dédicace à ses amis donc, qui sont loin, qui l'ont regardé spécialement donc, pour l'occasion. Merci. Merci. Oh no, quiero agradecer a... Pues agradecer a mi equipo que me apoyó, a mis amigos del TC, a toda la gente del TC, Matka, todos que me apoyaron. Gracias por venir aquí. Muchas gracias a la gente de Stonefest, que gracias a ellos estoy aquí, ellos son los que me invitaron. Y un saludo muy grande a mi novia Vialey, que la amo mucho. Il remercie tout le monde, déjà son équipe, le Stunfest, tous les joueurs d'avoir permis de venir ici, et il passe bonjour à sa fiancée. Voilà. Oh, c'est mignon. Merci. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, Lucien, en provenance de Los Angeles. Et maintenant, place aux champions. Je vais demander à Salim de me rejoindre. Salim ? Salim, c'est... Ah oui, c'est ton tour. Alors, Salim. Un petit mot sur ce tournoi, sur les joueurs que tu as pu affronter, et puis sur cette finale. Le tournoi, il y avait pas mal de bons joueurs. Donc merci les gars de m'avoir permis de l'emporter tranquillement. Et un big up à mon pote Kempachi, à Tahar, qui aurait pu aller très très loin. Et Youssef, le coach,
sans lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Bravo, merci, on l'applaudit bien fort. Ouais, l'argent, il a dit tout de suite avec l'argent. On appelle bien le vautour pour rien. Et Luffy, on s'en fout, il est troisième. On va remettre les lots tout de suite. Alors, pour la troisième place, je vais demander à Luffy, qui est juste là, pour récupérer ses lots. T'es content ? Il n'y a pas d'argent. Non, je suis pas content. Luffy qui est pas content, mais qui repart les mains vite quand même. Il y a un poster du Stunfest, trois gâteaux et quoi ? Et un t-shirt du bois. Ouais, c'est ça. Mais tu gagneras plus ça. C'est la prochaine surprise pour MD Luffy. Non, il n'y a pas de billets, arrête-toi, il n'y a pas d'argent. Bon, bravo en tout cas, Luffy, hein, qui est fait le troisième tournoi. Allez, pour Luisa, Luis pour la qui ? Alors Luisa, lui, il a carrément un demi-carton. Voilà. Donc il a quelques spécialités bretonnes. Ça lui fera un très beau souvenir hein, pour son retour à Los Angeles, avec son stick, quelques petites choses par-ci par-là, offert par le Stunfest et les partenaires. Bravo à lui, bravo Lucha, second du tournoi. Il a du Cid, il a du Lost Planet 2, hein, excellent jeu. Voilà. Et t'inquiète, le gros carton il est là pour le vainqueur, pour Salim, qui remporte la totale. La totale. Bon, pareillement, un petit panier, des petites figurines. J'ai cru voir une console avec Ultra Street 4 dedans, si je me trompe pas. Une manette, ouais, enfin, un cax. Pas mal de petites choses, hein, mine de rien. Un cax. Y a pas d'argent. L'argent, y en a pas d'argent. Eh mec, tiens, tu peux jouer à la manette comme Luffy. Y a beaucoup de lots. Beaucoup de lots pour le premier. Bah voilà, bah écoutez, bravo. Bravo Salim, bravo. Bravo aux trois. Alors, je vois qu'il y a le quatrième du tournoi qui réclame quelque chose. Voilà, bah si, bien sûr, on va prendre les photos. C'est pas moi qui ai gagné. Hein, voilà, pose le carton, prends ta coupe. Voilà, Luffy, Luisa, on va vous demander photo. De vous mettre ici pour la photo. Bah bien sûr, premier. Voilà, Luffy, l'argent. Par ici. Mais quel argent tu veux, Luffy? Juste là, s'il te plaît. Tiens, prends ta coupe en argent. Voilà de l'argent. Ah oui, carrément. Ouais, bravo. Voilà la coupe. Pousse-toi un peu, voilà. Petite. Voilà. Bien sûr. Bravo en tout cas à ce trio qui nous aura montré de très belles choses pendant ce tournoi. Et Jean-Pierre Goff qui a failli mourir. Bien joué. Bien ouais, je la neige. Bravo, on les applaudit bien fort les trois, s'il vous plaît. Le top 3 de Coff 13. Solo. Et comme Malek et Zouzou le disent, oh my brother, testify!